Pour compter, nous utilisons un système décimal utilisant 10 chiffres. Ces 10 chiffres servent à écrire tous les nombres qui peuvent exister. Ceux-ci sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On parle d'un système décimal car on effectue des regroupements par 10. Ainsi, 10 unités forment une dizaine, 10 dizaines forment une centaine et 10 centaines forment un millier par exemple. Pour écrire un grand nombre, il ne suffit pas de marquer les chiffres les uns après les autres. On se retrouve sinon avec un nombre totalement illisible. Pour pouvoir écrire ce nombre, il faut regrouper les chiffres par 3 en partant de la droite. Ici, nous aurons donc 687 tout à droite, puis 534 au milieu et 28 à gauche. Chaque regroupement s'appelle une classe. 687 est dans la classe des unités, 534 fait partie de la classe des 1000 et 28 la classe des millions. Il existe aussi la classe des milliards. On laisse un espace entre chaque classe pour pouvoir lire plus facilement le nombre. Dans chaque classe, les chiffres sont toujours rangés de la même façon: unités, dizaines, centaines. Ce tableau de numération va nous permettre de lire et d'écrire plus facilement les grands nombres. Pour lire un nombre, nous partirons de la classe la plus grande, puis nous irons vers la classe la plus petite. Ici, nous avons 28 millions, 534 000, 687. Lorsque l'on écrit un nombre en lettres, il ne faut pas oublier de mettre un trait d'union entre chaque mot nombre. Le tableau de numération permet également de décomposer les nombres facilement. Pour cela, il faut connaître la valeur des chiffres de chaque rang. Les unités valent par exemple 1, les dizaines 10, les centaines 100, les unités de 1000 1000, 10 000 pour les dizaines de 1000, 100 000 pour les centaines de 1000, etc. Notre nombre se décompose ainsi de la façon suivante: 2 fois 10 millions, plus 8 fois 1 million, plus 5 fois 100 000, plus 3 fois 10 000, plus 4 fois 1000, plus 6 fois 100, plus 8 fois 10, et plus 7 fois 1, donc plus 7.